reborn. Ah, quand t'as trop d'argent, c'est pas beau, hein? Bonjour, frère et soeur, bienvenue sur ce bon. Aïe, aïe, aïe. Le rappeur Kodak Black a jeté de l'argent dans l'océan. Et les gens sont fâchés. Les gens se disent, mais pourquoi? Pourquoi nous on a fait ici? Et puis toi, tu te permets de faire cela. De jeter de l'argent dans l'océan juste comme ça. Pourquoi ne veux-tu pas nous les donner ici? On a besoin de ton argent, on a besoin de tout. Mais vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas vu ça, vous allez voir ça tout de suite au studio, ok? Mais vraiment, ça me pousse à me poser aussi des questions. Et l'argent. Qu'on a trop d'argent. Qu'est-ce qu'on vous montre aux gens? Allons voir ça au studio. Prenez votre note. Et asseyez-vous à terre. Regardez. Regardez ici. Est-ce que vous voyez ça? Il veut montrer à ce gars hein, que lui, il a trop d'argent, il a trop de sous. Pour cela, il jette de l'argent dans l'océan. Juste comme ça. Regardez ce qu'il a dans la main. Ça, c'est combien? Regardez. Très bien. Cette vie, vraiment cette vie-là. Et comme vous pouvez voir là, c'est là où l'on a jeté de l'argent, ça étonne tout le monde. Même donc ce bord est étonné. C'est ce que nous allons voir ici. Regardez bien. Vous voyez, point de l'argent. Et tout de suite, il se rend en direction de l'océan. Pour faire quoi? Jeter tout ça dans l'océan. Et il a fait bien. Regardez. Il jette pied après pied. Bien après bien. Il a été jeté tout ça. Vous voyez? Il jette bien après bien. Aïe aïe aïe. Regardez, regardez. Est-ce que vous voyez ce que les gens font? Est-ce que vous voyez ce que les gens font? Jeter de l'argent comme ça. Dans l'océan. Ici, tu peux faire don, mais tu ne fais pas. Tu vas faire don au poisson. Est-ce que le poisson te dit non, mais don? Donne-là de la bonne nourriture. Eux, ils ont jeté la bière comme ça. Ils vont faire quoi ça? Hein? Hein? Hi? Non, c'est pas la peine. Hein. Mais ça, c'est encore rien. Il y a ton ami à côté. Ça, c'est encore rien. Parce qu'il avait pire que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Regardez ça. Regardez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ça, c'est quoi? C'est sur les toilettes, non? C'est là, il allait jeter tout ça aussi. Oh, le mec, c'est ouf. C'est un fou ou quoi? Regardez, des vrais billets et des billets bien repassés, hein? Bien repassés. Tiens. Ce gars, c'est un ouf. Il va tirer la chasse. Comme ça ne va pas partir, lui, il va pousser à l'intérieur pour que ça puisse partir. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire dans ça? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Ah! Vraiment, la jeunesse aujourd'hui, ouais, c'est toute autre chose. Quand vous n'avez pas de l'argent, vous êtes à tête de machin quoi? Allez, à quoi? C'est la galère. Maintenant, quand Dieu merci, hein, vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez que tout le monde sache que vous avez de l'argent. Vous allez vous marquer pour faire le boucan. Dépenser 3 millions juste une seule soirée. La bouteille de champagne coûte comme elle a. Je ne sais même pas le prix. Peut-être ça coûte 5 000 ou bien 10 000. Lui dit non. Ça suffit. Montez le prix. Augmentez le prix là. Vous pensez que nous sommes vos enfants? Enfant, moi une bouteille de champagne de 100 000 ici là.
Hein? Déjà, il veut nous montrer que lui, là, il a de l'argent. Hey! Mais frère, ça, je vais vous dire un truc. L'argent qu'elle a là, si tu t'amuses à lui, hein, il va te montrer qu'il n'est pas ton enfant. Il était là avant que toi tu ne viennes ici. Hey! On dit rien ne se jette, tout se transforme. Toi, tu jettes l'argent. On dit rien ne se jette, tout se transforme. Toi, tu jettes l'argent. Qu'est-ce que tu vas parler de toi? Après, quand tu auras besoin d'argent, est-ce que tu vas venir dans la mer là, pour négocier le poisson? Est-ce que tu vas venir dans la mer pour négocier le poisson? Les gens font des choses hein, sans penser à demain souvent. Les gens font des choses sans penser à demain souvent. Et moi, je ne le comprends pas. Mais après aussi, on ne peut pas trop parler. Après aussi, on ne peut pas vraiment trop parler parce que il a sans doute travaillé à la sueur de son front hein, pour avoir son argent. Donc, l'argent qu'il tient dans la main là, c'est supposé être la sueur de son front. C'est supposé être son sang. Dieu sait comment il a fait pour avoir son argent. Et s'il décide de traiter son argent de la sorte, ça n'engage que lui. Parce que de toute façon, l'argent que certaines personnes qu'on appelle le bouteur viennent prendre et jettent partout dans les herbes que les gens ramassent là, de tel argent là. Même si vous le prenez, ça va même pas vous amener quelque part. Ça va même pas vous, a, vous, 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 vous. Ça va même pas faire bouger votre nez là. Un seul centimètre. Ça va même pas bouger votre nez d'un seul centimètre. C'est l'argent que vous allez travailler à la suite de votre front vous-même là. C'est ça qui fera de vous une personne digne. Une vraie personne. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire à un moment donné. Mais après, là, quand ils vont commencer à regretter, ne venez pas, hein, ne venez pas nous déranger ici. Vraiment, c'est triste de voir ça, mais c'est sa vie, c'est ça leur vie. Être choco, c'est ça. Même la jeune a refusé, regardez, la jeune a refusé de partir. Hein. Il jette l'argent, la jeune a refusé de partir. Regardez. Même l'ordinateur est bien bloqué. Il a dit, mais c'est pas possible. Il a dit, il est bien bloqué. Appelez sa maman. Bon, il jette l'argent. Même l'argent, il refuse de partir. Ça retombe encore dans le bateau. Regardez, regardez. Ça retombe encore dans le bateau. Hein. Mais il vient encore pour ramasser ce qui retombe dans le bateau pour jeter dans l'eau là. Encore. Et c'est filmé. Il a jeté combien? Pourquoi ne jette-t-il pas 1 million de dollars? Et puis ce sont des billets, juste quelques billets ils jettent. C'est parce qu'ils veulent juste que ça. C'est juste pour faire le buzz, je suppose. Peut-être même après, même il va aller sur la vie, il n'a jamais pensé du tout. Il va le bagarrer avec les riquets, hein, vous les riquets, là, laissez mon Dieu. Ah! Non, mais vous, hein, mais vous les fans. Souvent, quand vous voyez ça, quand vous voyez ces gens-là le faire, vous aimez aller le faire. Hein. Ne les suivez pas. Hein. Peut-être après, on va aller nager pour prendre son jeton. Après, on va nager pour aller prendre son jeton. Toi, si tu fais ça, tu ne pourras pas aller nager. Donc, garde ton argent tranquille et investis, mon ami. Investis dans des bonnes choses qui vont t'aider demain. Et même tes enfants, si tu en auras, bien entendu. Ouais. Ouais, t'as déjà des enfants. T'es pas comme Marie, mais t'as déjà des enfants. Ouais. Ouais, vous êtes rapide. Hey! Bon, c'était une chose qui m'a vraiment impressionné aujourd'hui. J'aimerais partager. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jeter de l'argent comme ça? Volontairement, hein? Jeter de l'argent dans la mer. Non, ne le faites pas. En tout cas, moi, je ne. C'est pas bon, je dois le faire ni demain. Les gens disent, ah, il n'a pas vu le SDF. Pourquoi est-ce qu'il va faire ça? S'il donne son SDF, ça ne va pas vous choquer. Il faut qu'il fasse quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Comme jeter de l'argent là. Dans les toilettes comme ça. Là, les gens disent, ah, comment tu vas aller jeter de l'argent dans les toilettes? Voilà. Pour que ça puisse vraiment toucher un peu les gens. Sinon, s'il allait donner au SDF,
Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il donne déjà au STF, peut-être qu'il donne déjà aux gens, il aide déjà des gens. Mais comme quelqu'un l'a provoqué là, toi qui viens, il fait ça juste pour répondre à cette personne pour lui dire que oh, lui, il a de l'argent. Voilà, lui, il a de l'argent. Voilà. Ouais, non. C'est un peu leur style chez eux là-bas. C'est le malheur de s'exprimer. Bon, je préfère qu'ils s'expriment ainsi au lieu d'aller prendre des armes pour tirer sur ses ennemis. Parce qu'aux États-Unis, ça, c'est très courant. Ils sont en train de dire parti. Qui ont quitté ton camp. En tout cas, je vous donne une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. La vie. Wow, c'était extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon papier bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez pour la prochaine vidéo. C'est parti.